Eh bien, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom à vous. Non, oui, tu es fofo, tu es tata, tu es bimer, tu es goudou, le mafo, gandia. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sœur béninoise qui est aux États-Unis. Je viens de voir son image. Je sais que si elle regarde cette vidéo, elle saura de qui je parlais déjà. Elle est une dame ténoire. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Maoni Kwanche Tonou me dit tant là, nous font l'eau de mes prédits. Nous font de mes prédits. Vous m'avez nous roulons les. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a un frère qui m'a demandé comment invoquer, comment prier Dieu. Chers amis, je vous en prie, j'ai toujours laissé pas mal d'empreintes aujourd'hui dans mes vidéos. Il y a au moins pas moins de 400 vidéos que j'ai déjà fait. Si pour les autres années passées, si j'avais fait ça ici, je crois que je serais déjà dans les millions de vidéos. Donc, j'ai laissé un peu de tout de ces vidéos-là. Comment invoquer Dieu? L'invocation à Dieu d'Israël, c'est la terminaison de toute chose. Nous devons invoquer Dieu d'Israël au moment dont nous sentons que les choses ne sont plus à nos forces. C'est-à-dire, au moment dont nous avons perdu tout courage, c'est de là que nous invoquerons l'Éternel des armées. Et il n'est pas donné à tout le monde, d'avoir cette grâce-là, d'invoquer l'Éternel des armées. Il n'est pas donné à tout le monde. Non. Premièrement, dans quelles conditions Dieu peut venir nous secourir? Nous ne pouvons pas être les malfaiteurs pour que nous invoquons l'Éternel des armées qu'il vienne. Il est bien vrai que il y a certaines paroles, même religieuses, que vous pratiquez, bien ou mal, les anges descendent. Oui, il y en a ça. Je dis bien, bien ou mal, les anges descendent. Maintenant, vous que Dieu a aimé, vous que Dieu a donné son pouvoir, vous que Dieu a posé sur sa vie son empreinte, vous devez savoir que vous avez des limites dans le monde spirituel. Comme quoi? Si vous êtes un homme et Dieu veut que vous soyez dans son égrégore, vous allez constater que toutes les choses, tous les rituels que les autres font, et ça marche à mes réveils, pour vous ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu d'abord attend, il nous fait arrêter pour, juste pour que le temps qui doit être le temps bon pour nous, doit sonner. Et nous avons des étapes à étapes d'évolution. Il y a des gens, vous allez constater que l'argent, il fut un temps que l'argent commençait pas à démarrer, tout va bien. Brusquement, ça a bloqué. À vous que ces choses ont arrivé, vous allez juste faire un examen de conscience de quelque chose comme quoi. Si les choses ont bloqué, c'est parce que Dieu veut que vous réveillez spirituellement
Et cet échec-là, l'échec qui est venu, Dieu veut que vous ouvriez vos yeux. Tu pouvais même contacter le berger Raphaël et vous serez en train de travailler. Et ce que tu veux concrètement, tu as certaines choses, mais ce que tu veux concrètement, tu n'as pas encore touché ce point. Dieu te dit tout simplement que toi-même, en toi, il y a un maître que tu dois réveiller, c'est tout. Si moi je vous ai dit combien de maîtres moi j'ai côtoyé, si je vous ai dit combien de maîtres j'ai côtoyé et qui ne veulent pas m'aider, ça va vous étonner. Si je vous ai dit combien de maîtres j'ai appelé, même dans mon pays ici, pour dire, maître, votre livre que j'ai là, je veux ci, et on m'a dit qu'il est telle heure que je ne peux pas te répondre. Tout ceci, j'ai fait toutes ces expériences-là. Et je vous dis aussi, vous avez à faire certaines expériences dans votre vie. Et c'est ceci qui vous aidera à pouvoir arriver à réussir votre destin. Essayez de conserver certaines paroles à vous et de les révéler à celui qui peut entendre et vous aidera. Ce que tu as fait entre toi et ton mari, ce que tu fais pour ton homme, tu as aidé ton mari bien sûr, tu as aidé ta femme bien sûr, mais c'est une paire de raisons, et un, deux, trois, tu commences pas à parler. C'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai fait ci. Quand tu n'as rien là, c'est moi. Et l'homme aussi dit à sa femme, quand tu étais au village, c'est moi qui t'ai amené à Cotonou. Ce n'est pas des choses qu'on dit dans la vie. Bref, ça c'est encore un point. Vous voyez, la vie là est compliquée pour ceux qui sont compliqués pour eux-mêmes. Mais la vie là est facile pour ceux qui sont faciles pour eux-mêmes. Le destin qui vous a appelé, je dis toujours que vous avez un prix à payer. Nos aïeux ont payé leur prix. C'est pourquoi moi j'aime toujours mes grands-parents. Peu importe, moi, mon grand-papa était un roi. Mon papa était un roi. Et ils sont tous dans l'affaire de Vaudron. Mais pourquoi je vais les détester? Si c'est Dieu qui m'a fait frapper la porte, il m'a fait sortir de là. Il n'est pas venu chercher les bons, mais les gâtés. Alléluia. Le destin qui vous a appelé, vous devez traverser certaines choses, c'est ça qui sera votre victoire. Regardez Joseph, il a eu rêve. 12 paniers, ou bien 12, 11 et de paille, du riz, devant lui, et toutes ces choses-là commencent par se courber. Et il a parlé de ce rêve-là à ses frères, il dit, quoi? Toi, tu vas devenir chef pour nous ici. Il est parti de ici, ça, Joseph, son papa. Joseph dit quoi? Donc, il dit que moi, je vais t'adorer demain. Mais le destin nous a parlé. Le destin lui a parlé. Mais précipitation a créé jalousie. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Vos frères, sœurs, ceux qui te persécutent aujourd'hui, ils te persécutent, tu sais pourquoi ils te persécutent. Ils te disent de sortir, aller travailler pour les nourrir. Si Joseph n'avait pas été vendu, le prix de Joseph pour sauver son peuple était le prix qu'il a payé dans la cachotte. On l'a maltraité. Le prix de Jésus-Christ, c'est de prendre la croix. Le prix de Moïse pour pouvoir sauver les enfants d'Israël, c'est de fuir dans le désert. Vous devez comprendre certaines choses, que le destin qui vous a appelé, vous avez des choses à traverser avant d'arriver à votre fin. Avant d'arriver à ce destin. Pour être le premier ministre, je vous ai déjà dit la
plusieurs fois ici, où tu dis, allez, allez, et qu'est-ce qu'on dit? Allez dans le gouvernement, allez poser la question à un ministre, à un président. Mais comment vous êtes devenu? Le destin fera quelque chose de mal, très mal pour vous. Mais ceci aussi tournera à votre avantage. Regardez, toutes mes excuses et mes respects, mais ce n'est pas quelque chose à cacher. Vous voyez notre prégo, son excellence respectée, le Parti Talon. Dans ce pays, il a fui dans la mare arrière parce qu'on veut l'attraper. Et si on l'a attrapé en ce temps-ci, il ne va pas être président. Le destin l'appelle à être président dans son propre pays. Il faut qu'il fuit. Et revenu maintenant, au moment dont il est parti dans un mal arrière, porter l'habit d'un Zemijaman, il a fui le pays. Et c'est de là que la publicité commence par se lever. S'il n'y avait pas du mal pour toi, si on ne te critiquait pas, tu ne peux pas voir de l'évolution. Alléluia. Il faut des choses. Il faut que l'on parle mal de toi parfois. Il faut que les gens te critiquent parce que c'est ton destin. Mais ne sois pas arrogant. Sois pas arrogant. Ce sont tes propres ennemis qui te feront aussi de la publication. Vous savez bien de quoi je parle, cher Béninois. Le destin appelle le président, l'excellence qui est là maintenant. Mais d'abord, il a échappé à la mort ou la prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il peut dire, j'ai la connaissance. S'il m'attrape, je vais sortir. Il dit non. Celui qui est au pouvoir, il est au-dessus de tout. Je dois m'humilier. Il s'est caché et fuit du pays. Aujourd'hui, il est revenu avec vitesse. Humilie-toi. À des moments donnés, ce n'est pas la connaissance qui parle. Ce n'est pas que tu connais qui te parle. Lisez bien l'histoire de Josué, l'histoire de Gédéon. Dieu pouvait ordonner l'attaque face à face. Il dit non. Josué, ils sont trop nombreux. Gédéon, ils sont trop nombreux. Ok, tu as plus de 500 guerriers, Gédéon. Dites-le, arrivé auprès d'un ruisseau, il faut qu'il s'abaisse pour boire. Celui qui va mettre sa tête comme ça, il faut l'enlever. Mais celui qui prend l'eau comme ça, il faut la prendre. Dieu fait comme ça ce que jusqu'à plus de 1000 soldats est resté 100 ou 150. Et ils vont combattront plus de 10 000 personnes. Chers amis, Dieu même qui a le pouvoir, il nous donne l'intelligence d'humilité. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu es toujours ruiné? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu es toujours fané? Pourquoi tu es toujours... Je ne sais quoi dire, mais pourquoi tu es toujours comme ça? C'est parce que tu ne veux pas t'abaisser. Tu ne veux pas t'humilier. À quoi ça sert la richesse? We need money. Everybody need money. Me too, I need money. But, je dois me méfier. On veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Right now, I'm here. Money, call me. I leave you, I go. Take my money, I come back. To... Benji. Oh, franchement, Benji parle anglais. Il parle anglais, Benji, là. Mais il ne connaît rien dans l'anglais. Chers amis. Quand le destin t'appelle, prépare-toi à subir toutes les conséquences dans l'humilité. Et crois en toi, crois à ce que tu as. Regarde une femme qui met rouge à lèvres, qui met produit, une femme qui fait, il a confiance en quoi? Ça qui est en bas. Un homme qui se transforme en une femme, il a confiance en toi. Un homme qui se transforme en une femme,
Et il commence pas même faire le maquillage. Il a confiance en quoi? La vie, oh la vie. C'est juste pour rigoler un peu. Donc, chers amis, l'histoire de Joseph, il s'est humilié. Il a accepté. Joseph a accepté les combats qui ont lieu été. Donner l'humiliation qui lui a été donnée. Or, le bonheur avait appelé Joseph au moment dont la femme de Potiphar l'avait localisé premièrement sur le champ de l'esclavage. Et tout ce que Joseph touchait, cela brille à merveille. Joseph n'avait pas l'intention ou la vision de se retrouver aussi derrière la cachotte. Mais Joseph, au moment dont la femme de Potiphar est venue la provoquer tout autour, au moment où la femme de Potiphar est venue provoquer Joseph, Joseph aussi avait déjà accepté. Ils se sont allés à un sens où quelque chose a empêché Joseph. Comme quoi, le destin a empêché Joseph. Parce que Dieu veut que Joseph soit librement le premier ministre. C'est son destin qui l'a appelé à l'Égypte, comme ça. Et si jamais Joseph avait entretenu des rapports d'intimité avec la femme de Potiphar, cela pouvait commencer parce que les hommes sont faibles, comme les femmes aussi sont faibles. Cela pouvait commencer et un jour, Potiphar va les surprendre en flagrant délit. Potiphar était le chef de l'armée de l'Égypte. Donc, il va ordonner la décapitation de Joseph. Donc, ceci fait que l'énergie qui a appelé Joseph à l'Égypte, cette énergie lui s'est imposée et puis ses yeux ont s'ouvri et dit « Ah, qu'est-ce que je voulais faire ça ?» C'est de là qu'il a fui. Maintenant, comme la femme de Potiphar, elle est déjà en action et voit que Joseph a découvert sa nudité. Joseph a fui. Ceci l'a énervé. À quoi nous pouvons utiliser la femme de Potiphar qu'elle ressemble? Nous pouvons l'utiliser comme les esprits maléfiques qui nous font déjouer de nos plans. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les Occidentaux aujourd'hui? Il voit que l'essence africaine, nous sommes réveillés. Avant, c'est des paroles, c'est des actes, c'est des stratégies. Mais aujourd'hui, il veut utiliser tous les produits chimiques pour nous détruire. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a ci. Et puis, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Des pornos, de la tuerie, tout. Pour détruire la mentalité. Créer des publicités, créer ci. Pour réduire l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable utilise toutes les stratégies pour pouvoir empêcher le destin de l'homme. Or, notre destin à nous, c'est d'arriver à accomplir notre objectif de vie. C'est d'arriver à résoudre. C'est d'arriver à y aller de l'avant. La femme de Potiphar a ordonné qu'on décapite Joseph. Et si l'on a décapité, Joseph ne peut plus sauver les enfants d'Israël.
Et aucun enfant d'Israël ne peut pas venir directement en Égypte et devenir le premier ministre. Il faut pas l'humilité et puis devenir grand homme. L'enseignement que je viens de te faire, qu'est-ce que j'ai à te dire? Le destin qui t'a appelé, premièrement, tu dois croire au don qui est à l'intérieur de toi. Deuxièmement, fais confiance à qui tu es. N'abandonne jamais. Le destin qui t'a appelé, tu vas avoir beaucoup d'obstacles dans ton ministère. Les gens vont te jalouser. Dans ton paroissial, dans ton service, tu auras des ennemis. Mais c'est à toi le dernier mot. Tu ne dois pas renoncer. Le destin t'a appelé. Joseph a subi des conséquences atroces. Dans ta famille aujourd'hui, c'est toi que tout le monde a cherché. Tout le monde, c'est sur toi. D'abord, dans une famille, dans une communauté, vous devez savoir que c'est une seule personne qui fait réveiller un pays dans chaque catégorie de chaque chose. Regardez par exemple en Abidjan, c'était Doussa Saga qui est venu réveiller la conscience des Ivoiriens. Et il a amené Farauté. Et le deuil, le jour que Doussa Saga et Mola, quand Mola n'a pas commencé par chanter, ils étaient chez nous, dans notre hôtel. Je ne peux pas dire la suite, mais nous sommes des amis intimes comme ça. Doussa Saga, je dis bien. Son premier voyage au Bénin, si c'est dans ma mère. Quand il est, c'est pas moi qui l'a fait venir, il est venu, c'est pas ça. Mais l'hôtel qu'il est venu là, c'est dans ma main. Et Mola, lui, il y avait chambre 2, 201 et 201. C'était à côté. Quand on est dans le couloir, Doussa Saga a pris celle-ci, Mola a pris celle qui est là-bas. Quand il vient, vous voyez quand il est mort, qui farote encore à Côte d'Ivoire? Qui a amené l'esprit de la farotation? Parce que c'est lui le messie de la farotation, il n'y a pas d'eux. Doussa Saga est parti. La Côte d'Ivoire est encore restée dans le sombre. Il y avait des artistes. Regardez là maintenant que Debordo et Arafat est sorti. Arafat a pris l'ampleur. Il doit avoir toujours un chef. Debordo, c'est un maître aussi. Il chante correctement et je le kiffe beaucoup. Je l'aime. Même si quand lui et Arafat, elles sont toujours en querelle là. Moi, j'aime toujours Debordo jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi. Il est cool. Tout. Mais tout ce qui s'est passé là, je sais tout. Je n'ai pas discuté avec Arafat, je n'ai pas discuté avec Debordo. Non, niette, jamais. On ne s'est même pas vu comme ça. Mais les problèmes, comment accident, tout autour est arrivé, je sais tout. Comment il y a tout, chers amis. Mais ça n'a pas besoin qu'on donne une seconde dans les pays là-bas. Mais bref, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Depuis que Arafat est mort, qu'est-ce que encore devenu aussi coupé décalé? Oui. Ça va toujours, mais dites la vérité. Donc il y a toujours une leader dans ta famille, tu as toujours une leader aussi. Et le jour que tu vas faire vivre, la famille complète va rester vivre. Une seule personne est l'auteur d'un pays. C'est une seule artiste qui va coiffer cette catégorie. Aujourd'hui dans les triades, nous voyons certaines personnes, certains jeunes brillants. Je ne peux pas citer les noms, si je vais oublier, mais c'est des gens que j'aime beaucoup aussi. Il y a un magnifique, on dit. Il y a un monsieur aussi qui a fait tout récemment et histoire de leçon d'ité française là. Et aussi, il y a aussi un excellent monsieur aussi, Agalawal. C'est des gens, vous voyez, aujourd'hui, ce sont eux. Chacun vit dans son marigot, il réveille la conscience. Donc si jamais ces personnes-là maintenant, le jour que Dieu va les appeler, est-ce qu'il peut encore avoir quelqu'un, comme le camp dit, spectacle là, il y a les go là, hein? Ah, il y a les go là. Mais ce sont eux, ils sont en train de laisser la place à ces jeunes-là.
Eh bien, parce qu'ils sont, ils sont vivants. La raison pour laquelle ces jeunes-là sont en train de lever la tête. Vous comprenez. Et s'ils étaient, morts. Quand on parle des comédies, ce sont les go. Je me rappelle bien. On ne va pas manger l'amour. Et puis, vous voyez donc, dans chaque pays, dans chaque tradition, il y a toujours quelqu'un qui va animer ce pays-là. Peut-être qu'il peut encore avoir un autre jeune. Ce n'est pas que coupé de calais dormi, mais depuis que Arafat est parti, beaucoup de personnes ont peu la sensation, la flamme de couper. Seule la personne qui pouvait le réveiller, c'est lui qu'on attendait, c'était de Bordeaux. Donc, il faut savoir que l'épaule, c'est-à-dire que les poids qui sont sur tes épaules, là, Dieu t'a choisi. Vous comprenez? Dieu t'a choisi pour que toi, dans ta communauté, c'est toi qui dois prier le « Je vous salue Marie » ou bien « Je croise en Dieu » ou bien des psaumes ou bien des choses et puis l'Esprit Saint va se manifester. Je voulais juste faire une vidéo avant, mais je crois que je vais aller sur la deuxième. Bon, pas de souci. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.